Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un peu en retard dans le sens où j'ai une vidéo que j'avais vous postée, mais que je ne l'ai pas encore mise en ligne. Donc, Inch'Allah, ça va se faire. Là, on se retrouve donc pour un petit haul action. J'ai trouvé des trucs, je sais pas, je sais pas. Vous allez voir. Action, il y aura des choses que j'ai trouvées chez Auchan à des prix super good. Jeff de Bruges, Amazon, April. Et voilà. Donc on va voir au fur et à mesure. Là, je vais commencer déjà par Action. J'ai trouvé quelque chose qui vaut 5 euros. Il y a deux choses dedans que j'utiliserai pas. Donc c'est ça. Je vais tenter. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un connaît, n'hésite pas à me le dire. Moi, je ne connais pas du tout. Hein. C'est un système de nettoyage du visage. Alors, ça, je connais. J'en ai déjà eu. Mais elle n'existe plus. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé à 5 euros. Je dis, on va voir ce que ça vaut. Bah, je sais très bien que ça ne va pas durer longtemps. Genre, ça, j'en suis persuadée. Mais, dedans, qu'est-ce qu'il nous dit en gros une brosse de massage en silicone, deux brosses de nettoyage. Par contre, la crème de jour et de nuit, moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre autre chose. Moi, les crèmes comme ça ne m'intéresse même pas. Et après, 50 ml gommage visage. Pareil, je ne vais pas les utiliser. Et voilà, nettoie, exfolie profondément, masse et rafraîchit délicatement. Donc franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie. Mais vraiment, c'est ça, hein, qui m'a attiré. Donc, vu que je ne l'ai plus, je me suis dit, allez hop, on reprend. Donc, le premier article. Après, le deuxième article qui vaut 2 euros. Ça. Parce que moi, j'avais des faux ongles en... D'ailleurs, on va en venir après parce que j'ai du... La boutique du coiffeur à vous montrer, donc Peguissage, etc. J'avais des faux ongles en résine, mais je me suis dit là, je vais pas en refaire parce que tout simplement, j'ai pensé au cas où s'il y avait confinement, des choses comme ça, si des boutiques fermaient. Je me suis dit, s'ils repoussent, je vais être embêtée. Je déteste quand il y a l'écart de l'ongle avec le fond, je sais pas, ça me stresse. Bref, donc ce que j'ai fait, je les ai retirés, mes ongles en résine, et là, c'est mes vrais ongles. Voilà, tout simplement, j'ai pris soin d'eux du mieux que j'ai pu parce que là, je viens de le retirer. Donc, ça donne ça. Hein, voilà, les pouces, nanan. Et je suis super contente hein, parce que, bien sûr, bien évidemment, je préfère mes vrais ongles aux faux ongles. Même si je suis dingue des faux ongles quand mes ongles sont broyés. Mais là, Dieu merci, ça a repoussé. Donc, je suis contente. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, tiens, le set de manucure, 2 euros, ça vaut rien du tout. Donc, je ne sais pas sincèrement si ça va marcher ou pas. Au pire, je vous ferai un retour sur Insta ou quelque chose comme ça. Et il y a quoi dedans? Il y a tout pour genre brosser, limer, poncer, etc. Si quelqu'un, encore une fois, l'a pris, l'a utilisé, vous me le dites. Hein. Parce que franchement, ces deux articles, moi, pas connaître. Hein. Bon, je vous ai dit des crèmes, etc., je n'utiliserai pas. J'ai pris des choses que je ne sais pas pourquoi je les ai pris, parce que ça fait des millénaires d'années, j'ai dit que j'en rachèterais plus, que ça m'intéressait pas. Comme quoi, vous voyez, du jour au lendemain, on peut avoir une durite qui s'en va et hop, on rachète. Que ça m'intéressait pas, que ça me disait plus rien, etc., etc. Et ben, j'ai recraqué, voilà, de quoi je parle. Ça vaut 75 ou 79 centimes. C'est les masques comme ça. Pourtant, je suis pas fan parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau, etc. Mais c'est vraiment pour rigoler. Vraiment pour le fun, comme ça. Donc là, c'est un masque crocodile. Là, c'est le livre entre guillemets de la jungle, façon de parler. Hein. C'est un jaguar love avec son bébé, ou je sais pas, non, c'est comme ça. Vous avez compris. Un autre pour faire des selfies. Alors, quand je vais l'utiliser, je ne sais pas du tout. Très sincèrement, je les ai pris par crise. Je ne vais pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est comme ça que j'ai pensé. Vraiment, j'en ai pris 4. Hein. Parce que vraiment, ça ne me tente pas. Mais là, ils m'ont donné envie. Donc, et j'ai pris celui-là, le petit singe. On verra quand est-ce que je les utiliserai. Ça sera un autre truc. Après, j'ai pris quoi d'autre? Ah oui. Je ne sais plus pourquoi j'avais été, mais je n'avais pas trouvé encore une fois. Donc, bah, après, bah, voilà, j'ai été, j'ai trouvé ça. J'ai entendu parler de ces deux choses. Apparemment, c'est bon, c'est good, c'est bon et c'est good. Donc, ça vaut 1 euro quelque chose. Ouh, dans les 1,80 €, 1,70 €, quelque chose comme ça. 1,79 €. Bon, vous avez vu, hein, on n'est pas quelques centimes près. Hein. Donc, là, c'est un au choco-noisette, comme ça. Et j'ai pris un autre pour goûter caramel, en gros, caramel salé, quoi. On va voir. Si c'est bon ou pas, parce que chacun ses goûts dans la vie. Donc là, je vais continuer maintenant avec ce que j'ai pris. Bah, tiens, on est dans la nourriture. J'ai été à Jeff de Bruges le jour de mon anniversaire, quand j'avais acheté des gâteaux, tout ça, parce que j'ai reçu ma famille. Donc en gros, j'ai
Alors attendez, d'ailleurs, oh, attendez, attendez, avant de vous montrer Jeff de Bruges, j'ai mis ça dedans pour vous montrer que le numéro 3 était arrivé. Donc c'est l'histoire de Nemo. Dans d'autres vidéos haul que j'ai fait, que j'ai mises en ligne avant, je vous l'avais montré. Hein. Donc normalement, je ne fais pas de répétition, ça ne sert à rien. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé, cette fois-ci, c'était le numéro 3, c'est l'histoire de Nemo. On le met sur un, hop, sur un socle et ça nous raconte l'histoire. 10 euros, quoi, avec le livre. Là, je vous montre que là, la figurine qui nous parle une fois qu'on la monte, qu'on la met sur le socle, quoi. Donc 10 euros, et je suis trop contente à ces Nemo. Et je vous disais, Jeff de Bruges, j'ai été le jour de mon anniversaire, donc le 6 février. Et là, je vous parle, je vous jure, je suis dans un état tout à l'heure, ça me grattait. Donc moi, mon visage, il devient vite rouge, je suis dégoûtée. Ça me grattait et tout. J'ai pris d'un médicament contre l'allergie. Là, tout ça s'est éclaté. Je me suis fait quasi saigner. Je me suis grattée en plus avec mes vrais ongles. Donc ça, c'est les miens, ils sont assez bien griffants, je trouve. Ils agrippent bien, j'ai l'impression. Bah, je me suis fait mal toute seule. Oui, il n'y a que moi pour faire ça. Ma petite vie, je vous raconte ma petite vie. Et quand j'ai été pour mon anniversaire, donc, je sais pas. J'ai été, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais aller chez Jeff de Bruges. Bah, j'ai pris ça valait 2 euros quelque chose, je crois. Hein. C'est des petites voitures comme ça de collecte. Mais vraiment des années 1950, 60, quelque chose comme ça. Hein. Il est comme ceci. Oui, mon cœur. Je sais pas où elle est la télécommande, mon bébé. Hein, je sais pas du tout. Donc j'avais une crise de. J'étais avec ma soeur hein, quand on est parti. J'avais une crise de Jeff de Bruges. Oui, j'avais ma petite crise de Jeff de Bruges. Et une autre comme ça, pareil, 2,50 € je crois, quelque chose comme ça, 35 grammes. Et là, c'est un. Il y avait chocolat noir et chocolat au lait. Moi, j'ai pris chocolat au lait. Et c'est marqué Love. D'ailleurs, j'attends plein de commandes. J'ai fait plein d'autres achats. Il y a d'autres hauls qui vont arriver après celui-là, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas, ben, si entre guillemets, le contenu vous plaît, un peu divers et varié de ma chaîne, ben, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner, et surtout, ben, si vous pouvez partager aussi, ça fait toujours plaisir encore une fois. Et ça encourage en fait, voilà, ça encourage, ça motive, c'est assez, ça fait plaisir quoi, tout simplement. Maintenant. Je vais vous montrer quoi? Arrête Choupinette, s'il te plaît. Je vais vous montrer April. Oui, c'était. Alors, April, ce que je me suis pris, donc encore une fois, le jour de mon anniversaire, là, c'est ça. Je me suis pris un parfum. J'en ai plein. J'en avais acheté plein pourtant ces derniers temps. Mais là, je sais pas, celui-là, il me le fallait. Je sais pas, il fallait pas que je quitte le magasin sans l'avoir. Oui, je sais, je suis. En tout cas, ça va pas, hein, mais bon, c'est comme ça. Alhamdoulilah, on va dire. Grâce à Dieu. Donc, je me suis pris un parfum Prada, un 50 ml. Il n'y avait pas de 30 ml. Je vous ai déjà dit que moi, j'étais 30 ml. Il n'y avait pas le 30, donc j'ai pris un 50. Il est comme ceci. Et il est magnifique. Et une odeur terrible. Il est à 95 euros, je crois, quelque chose. Et je l'ai payé, moi, 25%. J'ai dû payer 70 balles. J'ai bien dit, à peu près, j'ai le ticket, mais comme par hasard. Où est-il? Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? On ne sait guère. Il est là. April, je vais vous le dire très vite. 94,50 moins 25%. Eh bien, ça m'a enlevé 23,63 €. Donc 70,87 €. Je l'ai payé. Donc c'est toujours ça de moins. J'étais contente. Je l'ouvre. Je vous le montre. Hop là. Il est vraiment d'une senteur incroyable et d'une beauté. On n'en parle même pas. Alors par contre, il prend bien des traces. Hein, parce que oui, je l'ai ouvert. J'étais curieuse. J'ai voulu bien regarder. Alors, moi, je fais hop, histoire d'enlever les traces. Bon, je dis ça n'enlève rien, mais c'est marrant parce qu'il est comme ça. Il est super beau. Franchement, moi, je sais pas si vous aimez vos packaging, moi, je le trouve très joli. Et il a son. Hop là! C'est la protection pour pas que les enfants s'amusent à pchipchiter. Et il est trop bien. Il est génial. J'aime trop. Vraiment, rien à dire. Et là, je remets sa protection. Voilà ce que je me suis pris le jour de mon anniversaire. J'attendais, comme je vous disais, ouais. Inch'Allah, surtout, n'hésitez pas à la cloche de notification d'activer, sinon vous ne saurez pas, les amis, quand est-ce que je referai, quand est-ce que je reviendrai avec tous mes achats, toutes mes commandes, etc. Et les cadeaux de mon mari, parce qu'ils m'ont fait apparemment plaisir sur Pandora, etc. Alors. Là, je vous ai montré, c'était April, hein, qui parle encore une fois bien comme il faut. Ça arrête pas, qui tient, non. La boutique du coiffeur, j'ai pris ça. C'est un. Voilà. Solution de fonte. Les capsules et la résine. Ça fait péter la télé.
En fait, moi j'avais les ongles, comme je vous ai dit, là c'est les miens, hein, c'est les vrais. J'avais des ongles en pas résine du tout, en gel. Et du coup, j'ai pris ça pour les faire partir avec ça. Donc ça, c'est de l'aluminium, c'est comme ça, hein, c'est de l'aluminium. Il y a un petit bout ici, on va dire, de coton au milieu, de l'aluminium. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des papillotes en fait. Tout simplement, on met le produit comme ça sur le petit truc, on l'enroule comme ça sur chaque truc, on attend à peu près 20 minutes, plus une demi-heure, je pense que ce serait mieux. Et après, on frotte, on gratte avec. D'abord, il faut bien limer avant de mettre ça. Enlever, vous savez, les couleurs de la capsule, n'importe quoi, de l'ongle en gel, si on a mis du rose, du violet, peu importe. Et après, c'est là qu'on fait ça. Après, on s'occupe de nos vrais ongles. Et voilà. Alors, moi, par contre, ici, j'ai un ongle, je me suis fait opérer. Donc, si vous voyez qu'il y a un ongle qui est tordu, c'est normal, je me suis fait opérer. J'aurai plus jamais d'ongles sur celui-là. Plus jamais, j'ai souffert ma panarine, celui-là. Et celui-ci, il a jamais voulu, je sais pas, il veut être comme son frère, faut croire, il veut pas pousser. Donc, lui, je le calcule pas. Et c'est ça, voilà, c'est ça, c'est cette. Hop, on est là, on pousse, on pousse, on pousse, jusque l'ongle parte. Et c'est ça avant. On enlève un maximum qu'on peut sur l'ongle en gel. Et après, on fait ça. 20-30 minutes, je répète. Et ça pour frotter. Et franchement, après, on s'occupe de ses vrais ongles. Et c'est au top. Ça m'a valu, là, ce que je vous montre, à peu près dans les 13 euros, 14 euros, quelque chose comme ça. J'ai pris ça aussi. Parce que comme là, maintenant, je refais pousser mes ongles. Parce que mes ongles, c'était des ongles catastrophiques, catastrophiques. C'est bien pour ça que j'avais mis mes ongles à l'institut. J'ai pris ça parce que j'ai beaucoup de vernis, donc bon là vous allez me dire que ça va pas suffire, vous allez me dire c'est ça beaucoup. Non non, c'est que je vais voir lesquels je vais mettre dessus. J'ai pas envie d'en avoir 500 000 parce qu'il y en a, je sais ce que ça, comment ils sont, mais il y en a d'autres qui se ressemblent à peu près. Donc j'ai pris ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là on est plutôt bon. Bref, vous savez quoi, on va aller chez Auchan et on finira par Amazon parce que j'ai pris deux vêtements. J'avais d'autres choses, mais ils sont rangés. Donc du coup, parmi les vêtements que je vais vous montrer, j'avais pris un haut Pikachu, un haut Sailor Moon, t-shirt. Et un autre, je crois encore. Ouais, je crois que j'ai dû prendre deux Pikachu, quelque chose comme ça, un Sailor Moon. Bref. C'est ça, un noir et un blanc en Pikachu. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est trop beau, c'est de la dentelle, etc. Vous allez voir, ils sont trop trop beaux chez Amazon. J'ai vraiment kiffé, c'est incroyable, mais vrai. Hein. Alors. Il faut tenter une fois et si on voit que ça nous plaît, on peut continuer. Moi, je sais que je l'avais continué à racheter. Je sais que moi, il y a longtemps, j'avais déjà pris tenter ce style-là. J'avais beaucoup aimé sur Amazon. Mais bon, bref, là, on passe, comme je vous ai dit, à Auchan. J'ai pris ça 365 activités. C'est les poupées LOL, hein, 6,95 €. C'est blindé, blindax dans blindax d'activités. Voilà, entre nous, les adultes, si on le fait avec nos enfants ou que les enfants, ou peu importe, mais franchement, c'est top. Il y a ça, c'est en réduction. Voilà pourquoi je vous en parle. C'est 7,90 €, mais je crois que j'ai dû payer 4-5 €. Alors, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai plus le ticket là, mais c'était en réduction. Ce n'était pas 7,90 €. Et c'est super intéressant parce que c'est un album et 250 stickers à l'intérieur. Et là, c'est le Roi Lion. Après, j'en ai pris un autre, les animaux. Je vous avais déjà montré un style comme ça. Toujours pareil, réduction, hein, pas 7,90 €, mais moins cher. Et le truc, c'est que là, c'est les animaux. La dernière fois, c'était style. C'était quoi la dernière fois comme animal Oui, mais c'était style quoi? Je sais plus ce que c'était. Que là, ça va être style des petits chiens, des chats. Apparemment, on va jouer un dauphin. Donc, franchement, c'est super bien. Ça va bien. Soutient la SPA en prenant en charge 300 animaux de refuge. Je trouve ça bien jusqu'à leur adoption. C'est plutôt mignon. Non, franchement, c'est bien si ça peut les aider. Je ne savais même pas que ça les aidait apparemment. Donc, c'est cool. J'ai pris ça. Mais ça, je vais vous avouer que je l'ai pris pour moi. Oui, oui, oui. J'aime trop. J'aime trop. J'ai les figurines. C'est les 100 taureaux. Comment dirais-je, London. C'est des petites filles, en fait, comme ça. Hein. C'est un album comme ça. Et en fait, ça, je l'avais pris l'album. Pas l'album. Les figurines, je les avais pris chez Cultura. Franchement, je dois en avoir. Il n'y en a pas beaucoup dans la collection. Je crois qu'il y en a 10 ou 12. J'ai quasi le nombre vers la fin, quoi. Donc, ça va à peu près. Et ça, ça valait combien? 3,50 €. Et franchement, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Et dedans, c'est une page au hasard. Hein. Il y a des petites choses, je crois, d'activité ou je ne sais pas ce que c'est. Et après, il faut coller les pages. Wow. Je trouve ça super sympa, hein. Prends soin de toi, c'est trop mignon.
Brille comme une fleur, arrose avec amour, etc. Et ça vaut 5 euros et quelques, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Je sais plus, j'ai pas vraiment le chiffre exact. Mais il y a 7 pochettes, donc en 5,60 gros, 5,60 euros. Quelque chose comme ça. Soit 35 stickers. Et j'en ai pris à peu près 7 des comme ça. À peu près, hein. J'ai bien dit à peu près. 6, 7, peu 6. importe. Ouais, bah voilà, 6, rien. Là, j'ai pris. Oh, positive attitude, les filles. Hop là. J'ai pris pour moi, je kiffe ces livres-là. Je suis une dingue de livres comme ça, de curiosité, de ce style. J'aime tous les livres, quoi que. Voilà, vous avez compris. C'est encore un livre que j'aime bien. 7,90 €. Pensée positive, toujours voir la vie en rose, c'est possible. Donc, j'ai regardé à peu près à l'intérieur. Et en fait, c'est. Je sais pas comment vous l'expliquer. Parce qu'apparemment, ils disent des choses, mais à la fois, il faut écrire aussi des choses. Donc, je vous montre à peu près, mais j'espère vraiment que. Et ici, ils disent. En gros, ils disent mobilisez vos ressources naturelles pour booster votre bonheur grâce à la psychologie positive. Suivez un programme de coaching positif personnalisé sur 3 semaines. Avec chaque jour une nouvelle technique et un défi à relever. Alors, changez de regard sur le monde et transformez votre vie en cultivant l'harmonie avec vous-même et avec les autres dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oh, ouais, dans tous les domaines. Accueillez la vie avec bienveillance, l'esprit ouvert et serein, et appréhendez l'avenir en toute confiance. Je trouve ça plutôt sympa, quoi. Même si, alhamdoulilah, dans nos têtes, on est alhamdoulilah, on va bien, quoi. Je trouve ça super sympa, encore une fois, moi, ces choses-là à lire. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé. Je suis désolée, je suis pas. Ça va pas du tout. Oui, je sais, ça va pas. Je l'ai payé 2,95 € gomme. Et elles sont, mais vraiment trop belles, sous forme de livre. Donc là, il y a marqué maths, musique, sport, English. Et des crayons. Il y en a trois. Mais j'ai kiffé. Et c'est Top Model qui fait ça. Vous savez, les petites filles, là, les... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, les petites filles Top Model, même il y a des cahiers de texte ou des journaux intimes ou des choses comme ça pour les petites filles, quoi, les adolescentes, peu importe. Ce que j'ai à vous montrer là, c'est 29,99 €. Je suis trop contente. C'est des 90 ans, en gros, de Mickey. C'est marqué, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est un peu dur à dire. DS018, apparemment. Il est comme ça et j'ai eu quand même sur 29, ouais, 29,99 €, j'ai eu 10% dessus. Donc, bon, on va dire que c'est pas négligeable non plus. Ça fait toujours plaisir s'ils enlèvent 3-4 € façon de parler. Et donc, pas façon de parler, mais bon, voilà. Elle est comme ça, elle est très jolie. Je vais vous l'ouvrir, après on passe à Amazon. Et ce sera fini pour ce haul-là parce que j'en ai d'autres à filmer. Et voilà la bébête. Alors, il n'est pas trop beau, Mickey? Regardez-moi ça. Avec son chapeau, la féerie, là, les étoiles, la vague. Bon, vous avez compris, c'est magnifique. Oh là 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 là. Trop, 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 trop joli. Je vous l'approche. Et je tourne en même temps. Vous voyez? Comme ça. Très beau, hein? J'ai vraiment beaucoup aimé sous forme de livre. Ici, regardez, c'est relevé. Là aussi, c'est relevé. Et là, il y a marqué Mickey. Et je suis contente. Un de plus bah, dans la collection, quoi, tout simplement. Ça fait super plaisir. Ouais, je suis vraiment dosée. Franchement, je suis dosée dedans, Eva. C'était le dernier en plus hein, quand j'y suis allée. Donc, oui, c'était le dernier. J'ai dit oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était trop marrant. Alors. Nous passons à Amazon, c'est ce que je vous disais. J'ai pris alors les autres, hein, voilà, j'ai pris d'autres t-shirts, mais bon, ils sont rangés, etc. C'est pas grave, tant pis. Alors, là, il me faut. Alors, attention. Il y a un truc que je précise sur Amazon. Moi, par exemple, je fais du XL, double XL. Comment vous dire qu'à mon avis, j'aurais pas dû prendre double XL? J'aurais dû prendre du 4XL ou 5XL. Genre ma taille d'aujourd'hui, quoi, parce que, inchallah, voilà, j'espère perdre. Je me comprends. Alors, regardez-moi ça. Il est super joli. Donc, en fait, ça me va, mais ça me va pas comme j'en ai envie. C'est-à-dire que je trouve que ça.
Ça, moi j'ai de la poitrine en fait et ça me, je sais pas, comme si ça me l'écrasait. Vous voyez, je suis pas vraiment dans celui-là surtout. L'autre ça va, mais celui-là, mais il est magnifique. Inch'Allah que je perde un jour, on va dire ça comme ça. Encore une fois, Inch'Allah, je me comprends. Il y a des fils ici et ce que j'ai aimé, il est simple, hein, regardez, il est simple. Mes tailles de. Ne prenez surtout pas si un jour vous faites un tour sur Amazon et que vous voulez des petites choses comme ça parce que c'est vraiment magnifique. Mais dans magnifique, je crois que ça vaut pas moins de 15 euros. Je crois. Je crois 15, 17 euros. Oh, je sais plus. C'est quelque chose dans le genre. Je vais pas dire, franchement, je vais pas vous dire de bêtises. J'ai pas envie parce que ceux-là, par contre, le temps que ça arrive, vous savez, des fois, ça met un peu de time. Donc, je l'ai reçu facile il y a une semaine. Hein, je crois, facile ça. Donc, voilà. Et du coup, après, les manches, elles reviennent pareil que le milieu, hein, comme ça. Mais moi, c'est ça, c'est la dentelle. Je trouve ça tellement joli. Mais ne prenez surtout pas vos tailles. Même si vous faites un S, prenez, je sais pas moi, un M, un L, de façon de parler, quoi. Parce que moi, j'ai dit, bon, je fais du XL et en même temps du double XL. Donc, j'ai dit, allez, je prends du double. Non, 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 j'ai déconné, j'aurais dû prendre. Mais bon, d'un côté, ça tombe bien. Inch'Allah, on essaye, on se dit qu'Inch'Allah, on va essayer de perdre. Donc, je me dis que bon. C'est plutôt d'un côté, c'est plutôt bien, ça motive un peu, etc., etc. Et celui qui claque, mais vraiment le plus joli. Franchement, pour être franche, je dirais que celui-là, il est beau, mais lui, c'est un beau bleu. Un super beau bleu. Comme ça, en dentelle, comme ça. Au niveau des épaules, mais en même temps, vous voyez, il y a l'épaule qui sera ici. La main, comme ça, toujours en dentelle. La même matière que l'autre, le noir. Sauf que là, la main, dentelle, 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 en bleu comme ça, roi, c'est magnifique. Encore une fois, on se retrouve avec l'épaule et la main. Et c'est tellement beau. Et je vous assure que c'est d'un féminin. Et moi, je suis dingue, dingue de ça. C'est-à-dire, faut pas que ça soit dentaire. Dentaire. Pas que ça soit dentelle beaucoup trop, beaucoup. Mais un petit peu, c'est mignon, quoi. Je veux dire, surtout au niveau des bras et tout, je trouve ça. Non, c'est mignon. Oui, j'aime la dentelle, j'aime bien la dentelle. C'est très, très joli. Oui. Donc voilà, encore une fois, le prix, je sais plus exactement, mais je pense que c'est à peu près comme je vous ai dit. Mais surtout, ne prenez jamais. Si un jour vous faites sur Amazon, si vous avez confiance ou pas, peu importe. Moi, je sais que j'aime bien parce que je trouve là-bas ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait l'erreur de prendre genre ma taille XL, double XL. Non, 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 je crois que je recommencerai plus cette chose-là, même si je fais demain façon de parler un S, plusieurs façons de parler, hein, je mettrai pas du tout du S. Non, non, je prendrai du ML ou XL, je sais pas, mais histoire d'être à l'aise, quoi. Mais bon, celui-là, en tout cas, le bleu, me va beaucoup mieux que le noir. Le noir, il va falloir que je pars 10 kilos facile, lui, c'est 5 kilos, par exemple, pour être un peu plus à l'aise, bien comme il faut. Mais sinon, ça me va. Mais pas vraiment comme j'aurais vraiment, vraiment voulu. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Portez-vous bien. Je suis désolée, hein, je suis toute rouge, etc. Mais vraiment, tout à l'heure, j'ai eu un grattage. Mais dur, très, très dur. Mais vraiment, j'ai saigné. J'ai même saigné et tout. J'ai mis du Sensicam. Là, comme, je ne sais plus quelle marque. Style bien fine, Sensicam. Oh, je ne sais plus comment ça va, ça s'appelle Sensicam. C'est ça, Sensi Biafine. Oh bon, peu importe, c'est Sensi, genre contre les démangeaisons. Oh, j'ai souffert là, pareil, je sais pas ce qui m'a. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je vous explique, quand vous me trouvez avec un visage rouge, j'ai pas de visage rouge de base. Mais si vous me trouvez avec des petits trucs un peu rouges, c'est que j'ai gratté, c'est que j'ai touché. Ouais, youpi tralala, qui a touché ton visage, merci. Allez, je vous fais de gros bisous, je vais encore raconter ma vie. Portez-vous bien, Inch'Allah, qu'on se dit là très vite. D'ailleurs, je pense que là, tout de suite, là, comme ça, dans cette dégaine, je vais retourner un autre hall parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vous fais de gros bisous, Inch'Allah. Portez-vous bien, surtout vous et vos familles. Bye bye, ciao ciao.